tournerons la page, les reports magiques de 2021. Alors je sais, c'est pas toujours très rigolo, mais là en l'occurrence, j'ai envie de dire, on s'en doutait un petit peu. Évoqué il y a quelques semaines de cela, l'extension Top Gun pour Flight Simulator, bah forcément, on était assez nombreux à l'attendre. Oui, vous, moi, on est pas mal en ce sens-là, puisque c'est une série qu'on est beaucoup à attendre. Et initialement, elle était prévue pour la fin de l'année 2021. Sauf que, la Paramount a décalé le film. Et évidemment, l'extension, elle est pensée pour accompagner le lancement du film. Résultat, cette extension prévue pour la fin 2021 ne sortira pas avant la sortie du film, qui est désormais fixée au 27 août 2022. C'est pas tout de suite. Va falloir encore être un peu patient, mais à la fois, on peut le comprendre, parce que si l'extension est bien faite, peut-être qu'en plus elle pourrait spoiler des petits éléments, des chasseurs, des avions et tout, qu'on retrouverait dans le film, et évidemment, ils ne veulent pas cela. Ils veulent être mêlés à tout cela. Eh bien, vivement que cette pandémie soit définitivement derrière nous. Allez, on veut plus de toi, la Covid, là, on n'a jamais vraiment voulu de toi, en vérité, hein, mais là encore moins, on n'en peut plus. Voilà, vous, moi, j'imagine, on a envie de partir à l'autre bout du monde, on a envie de vivre normalement, on a envie qu'il y ait moins de pression aussi dans la société, bref, on a envie de retrouver un truc un petit peu plus serein. Ne trouvez-vous pas, hein ?